Et coucou tout le monde, c'est Slim et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de Let's Optimize. Alors depuis le dernier épisode il s'est passé pas mal de trucs, hein. Alors j'ai pour en ce qui concerne de Slim en général, elle a monté un niveau, level 182, donc à 3 niveaux de mon futur stuff. D'ailleurs je pense que je peux vous conseiller de faire les chasses au trésor pour XP, ce qui est vraiment le mieux niveau rentabilité Kama. Par rapport à l'XP, moi je gagne 2 millions d'XP par chasse, donc je fais une vingtaine et j'up. Sachant qu'en plus, qu'on regarde dans l'inventaire de ma monture, j'ai 7800 roses de sable. Dû aux chasses trésors que j'ai déjà fait, roses de sable que j'économise, enfin que j'amasse avant de vous faire la quête sur le Dofus pourpre. J'attendrai d'en avoir 20 000 pour comme ça pouvoir enchaîner les vidéos Dofus pourpre assez rapidement sans avoir à attendre lors de l'étape rose et sable. Voilà. Sinon. Oui, sinon, il y a eu deux trucs à propos de mes deux items, simplement de mon futur stuff. Déjà, première chose, regardez dans mon nouveau style. J'ai mis un chrome que j'ai eu lors de mon abonnement d'un mois. Hop. Comme vous voyez ici, 16, 11, hop. Chabonnet, je crois que je vous ai déjà montré dans ma précédente vidéo, bref. Donc je le monte, hein. Ce sera pour la revente. Sinon, oui, depuis le dernier épisode, je me suis rendu compte que la meilleure façon de faire des sous quand on a déjà des sous, c'est de faire des exotisations. Donc pour cela, je suis costumage et joyeux-mage niveau 100. Et donc, sachez que sur Jiva, je fais des exos pour ces deux métiers jusqu'au système level 180 mini à peu, maximum à peu près pour pouvoir que ce soit des exos qui coûtent pas trop cher. Donc, en exotisation, j'ai pas pris screen, c'est un peu dommage, j'aurais dû vous le faire. J'ai passé un Nanobrousse PA en 7 tentatives que j'ai revendu à 30 millions, donc j'ai revendu vraiment pas cher, hein, mais vu que j'ai passé en 7 tentatives, j'ai pas chipoté sur le prix. J'ai fait un Nanonobstant PA en 19 tentatives. Et le précédent exo que j'ai fait, que je vous ai montré en vidéo, c'est, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous conseille d'aller la voir, elle est très rapide, hein. C'est l'Anneau Shenmue Exo PA, donc que vous voyez ici, modifié par Slim. Oh donc qui est vraiment assez bon jeu, je suis très content. Et une cape Dremohan, que j'ai fait par mes soins, que j'ai fait vraiment très très rapidement, hein. Mais donc qui me permet d'avoir la full panoplie de Dremohan. Voilà. Alors je vais vous passer à l'instant le FM de la cape Dremohan. Donc ce sera le dernier truc de la vidéo, je pense. Donc attendez un petit peu. J'ai aussi acheté un koalak sanguin et une baguette des larmes 78A. D'ailleurs, un truc que j'ai prévu de faire sur mon stuff, sur mon futur stuff, vous avez vu, j'ai prévu d'être en archétype et en dragodin de prune émeraude. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai pensé dans ma petite tête, hein, parce que je suis vachement intelligent, que je vais pouvoir faire un mode aussi. Ce sera mon mode soin, surtout en Coliseum. Et peut-être qu'en PVM, je mettrai la baguette des limbes et une dragodin de armure. Ce qui me permettrait d'être en 12 PA 6 PM. Non. Si, 12 PA 6 PM. Attendez, j'étais en train de réfléchir, j'avais un petit peu mal. J'aurai un PO de moins, mais je serai en 12-6. Ce qui sera super bien. Voilà. Donc j'ai d'ailleurs pas trop tardé à revendre ce qui est du stuff. Donc je sais que j'ai toujours pas FM, quoi. Je vais devoir m'en occuper, je pense, aujourd'hui. Et aussi surtout d'aller XP. Voilà, je pense que c'est tout. Ma prochaine vidéo de Let's Optimize sera sûrement une vidéo de présentation du stuff, hein, quand je serai level 185, voir comment je rooks et tout ça, tout ça. Et puis voilà, donc là je vais vous envoyer pour la fin de la vidéo la forge magique de la cape Dremohan. C'est vraiment une femme qui m'a été super rapide, hein, j'ai pas cherché à faire quelque chose de ouf. Donc je vous remonte le jet par rapport à la recette. Hop. Donc c'est du 250 vita, 40 sagesse, 50 intel, 5 au critique, PO, 15 dommages feu, 12 soins, 12 stacks, 10 kiff PM, 15 et 30. Et donc là on a 240 sur 250, 51 sur 50, 36 sur 40, on a les 5 au critique, le PO. On a 11 dommages sur les 15, moi je m'en fous d'avoir les full dommages, hein, ça ne sert à rien. 12 de soins, c'est important pour l'archétype. 10 de tac, 10 kiff PM, le masque, ça c'est souvent que je voulais.
10 dommages critiques, je m'en fous un petit peu. Et 27 résistances poussées. Voilà. Donc alors je vous envoie à l'instant le petit truc de forge magie. Et moi je vous dis à plus sur Dofus. Yeah.